Bon, je me suis arrêté à 35 grands navires. Je continue d'en faire, voilà. Je veux l'invincible armada, hein. Bah voilà, j'ai mes 50... je vais avoir mes 50 galions. Bon, choix, quand est-ce qu'on attaque au wind, maintenant que j'ai l'invincible armada? Attaquer pour quoi faire? Bon, moi, je mangerais bien les 13 colonies, tiens. Ouais. Voilà. Et moi, je mangerais bien... je mangerais bien les parts des Caraïbes Indies. T'es quand même bien en train de descendre, hein. Chouan, dis-moi quand t'es prêt contre le Portugal. Ouais, le truc, c'est que ça risque de prendre encore un bon. C'est un nom de code, en fait, ils vont t'attaquer. Ton nom de code, c'est portugais. Oh, win, la sentu qui te rentre dans le cul. L'invincible armada. Oh, je produis du blé en Asie du Sud-Est, monsieur de blague. Mon lord protecteur fait 6-4-4. Mon lord protecteur. Oh putain, ouais, c'est vrai que le Commonwealth, c'est un monstre, hein. Il a même des rebelles au nord. Et oh oui, là aussi. L'anglais a des rebelles. Non, c'est bon, je m'arrête. Oh, win, laisse tomber. Je suis quasiment à moins 70 avec toi, c'est impossible. Laisse tomber, ça sera pas possible. Il voulait faire une petite alliance. On en a une depuis quasiment 10 ans. Malheureusement, là, maintenant que je suis parti en dictature, on peut plus. Oh, je gagne presque 200, mais ça y est, ma chaîne commerciale, les gars. Mais attends, les deux là de l'Ouest, ils gagnent quasiment 200 pièces d'or par mois, ces enculés. Ouais, moi, je suis à 191. à peine les 100, ça y est. Je suis effectivement à 196, hein. Je le vois, ouais. 197. Et j'ai pas encore posé de... J'ai quasiment rien posé au niveau administratif, hein. Je suis encore à poser des courtaouses, les gars. Vous me dégoûtez. Surtout que c'est le commerce qui fait leur échange. En commerce, ils ont quasiment 100 chacun, tu sais. Ah bah moi, j'ai tout investi. T'enlèves le commerce, ils sont comme nous, tu vois. Ah ouais. Oh, d'ailleurs, je siège comme un porc, là. C'est... L'Ottoman va devenir une nation agricole. Ça me rappelle au Wind, après la guerre des 8 roses. C'est pas la guerre du bouquet, ça? Ah bah là, en tout cas, il est quand même balèze, hein. Je veux dire, il maîtrise l'Atlantique Nord et ça va clasher tôt ou tard avec Chouan en Amérique du Nord. Mais vous allez me souiller. Ah bah oui. S'ils peuvent pas débarquer... T'as vu sa flotte? Va falloir un miracle de la Royal Navy, hein. Va falloir l'amiral Drake cloné en 10, hein, si tu veux t'en sortir. Ah putain, l'Ottoman a 21 000 hommes qui me regardent. Le mec, il a 15 000 hommes en face, il n'ose pas avancer, tu sais. Il a deux fois plus d'hommes que moi, mais il a peur. Ah, je me rapprocherais bien du Portugais-Mexique, là, pour l'annexer, parce que... Il me faut plus d'argent, là, putain. Et c'est lui qui dit ça, le porc qui fait du 100 pièces d'or en commerce, quoi. Moi, je me rappelle, il y a pas si longtemps, d'un ghost qui était là. C'était l'époque où les impôts suffisaient. Mais t'as pas occidentalisé, toi, maintenant, là? C'est hyper long, Pépé, tu t'en pas compte. Si. Je prendrais bien des relations diplomatiques en plus, mais putain. Allez, l'Ottoman, donne-moi ta capitale, connard. Le mec, il refuse de me donner sa capitale. Je suis en train de le souiller, mais... N'empêche que mon territoire est envahi par ces putains de protestants, hein. Et mais bientôt, je devrais me convertir, moi, si ça continue. Regarde chez moi. Moi, les protestants sont bien plus avancés. Hein, c'est bougnoulerie, moi, mais... Ah, mais ça ah ouais. Ah, il faut que je sois la plus grande puissance dans Malacca. Allez, gagnez 500, 600 d'or, hein. Cadeau. Ah, l'Espagne est passée devant les Pays-Bas en revenu. Tu gagnes 200, Pépé. Ah ouais. Ça, c'est parce que je suis en train de poser les trucs de taxes partout. En fait, c'est la France qui te rapporte masse boule, hein. Ouais, la France est super rentable. Ton ancienne province de la Gascogne, hein, j'en pense, moi. 27, je crois que c'est une de mes provinces les plus riches. Le Lord Protecteur nous annonce que nous avons couvert une... J'adore voir ce message, honnêtement. J'avoue que c'est excellent. Chier, je viens déjà débloquer de nouveaux navires. Alors tu venais à améliorer les anciens. Bah oui, 1750. Oh, moi ça je vais vite pouvoir améliorer ça, tu vois. Oh oui, je suis redevenu une république, un royaume. Oui. Comment t'as fait? Le Lord Protector a décrété sur son lit de mort que la Pologne ne pouvait être qu'un royaume. Oh oui, envoyez des mariages royaux partout. Oh, venez faire des bébés. Oh, Chouan, allez bien. Enlève la pause au lieu de nous raconter ta vie là. J'ai une guerre à mener. Et j'occidentalise dans moins d'un an. Bon, bah, vu que j'ai fait le zizi de l'Amérique, bah là j'ai fait la prostate de l'Amérique. Putain, mais la prostate, mais qu'est-ce que ça fait là? Moi je ferais le toucher rectal. Tu sais, le mec il a 12 ans depuis 100 ans, quoi. Tu regardes trop Twilight, toi. Faut que t'arrêtes, hein, ça. Alors Twilight. C'est pas ça bon, y hein. Mec. C'est pas bon, hein, Twilight, hein. C'est une mauvaise mais influence. C'est trop bien. Bah, c'est un bon bouquin pour les Twilight. Ah, pas mal, chaud. Oh putain, perdre 5 ans d'administration de pouvoir. Non, allez, je file 1300 de thunes à mes nobles, hein. Putain, nous, tu sais, quand on a 1300, c'est que on a braqué 4 ou 5 banques, tu sais. J'ai le zizi de l'Amérique qui est en train d'attaquer les colonies portugaises. Oh putain, Kiev qui se révolte. Oh 30 putain, tirs. Et 28 000 rebelles portugais qui pop juste quand je fais le truc, quoi, fils de pute. Ça importe
que dalle les 13 colonies. Je suis à 3 par mois. Ah ouais, les 13 colonies, c'est extrêmement long à être rentable. Mais c'est le commerce des 13 colonies que tu extrais. Ah, parce que là-bas, il y a le tabac, il y a le coton, c'est... Bah, j'extrais, mais j'ai que 4,65. T'en es où, Chouin, dans ta guerre avec le Portugal? Bah, j'ai mes deux petites provinces que j'aimerais avoir, et là, je vais brûler ces colonies, ou les prendre. Je pense que je dois être monstrueux dans les Caraïbes, maintenant, au niveau commerce. Bon, bah, il y aura des Portugais dans mon empire, hein. T'acceptes vraiment n'importe qui. Bah tu leur mets de la bouse sur eux, tu peux les faire passer pour des noirs. Putain, c'était quoi ça? C'était triste, hein. Parfois, j'ai un Owen, tu me fais un peu peur avec tes... Si vous me corrompez. Les élections, c'est génial, quoi. Enfin, je rentre un 2-0-0 et un 5-4-5, quoi. Oh putain, 26 000 hommes. Oh, ça fait mal. Ah, notre mariage royal a pris fin, je crois. Ouais, mais ça, c'est l'ennui, c'est que je dois à chaque fois refaire un mariage royal. Et tiens, en plus, je suis une monarchie administrative. Alors, c'est où ta colonie, ta crotte, Chouan, que tu veux? Ça s'appelle Palembang, et Bangga, c'est au sud de l'Indonésie. Bangga. Je vois même... Ah si, je vois. Ça demande 4% de score de guerre. Malheureusement, je peux pas demander. Je ne peux pas. Je peux que demander... Non, je peux même pas demander Belyung. Je pense qu'il faut que tu fasses de la paix avec lui, hein. Ouais, je peux pas. J'accepte le mariage royal de Chouan. Oui, viens, Chouan. Ah, oh, et voilà, mon roi est mort. 3-3-3, le suivant. Viens voir papa. Oh, c'est un 1-5-4. La République de Donation est passée protestante. Oh, mais pourquoi protestante? Mais parce que les protestants, ils m'ont dit que si je me convertissais, ils me filaient 3000 pièces d'or. J'ai craqué. Ah, t'as vendu ton cul pour une poignée de... Une poignée, 3000 pièces d'or, c'est mon revenu annuel. Du coup, Camille, tu vas pouvoir être la seule nation catholique d'Europe. La curie est à toi. Mais du coup, si je pars en guerre contre un pays de la Réforme, tout l'Empire a décidé de me suivre. Tous les membres de l'Empire qui sont protestants. Je suis considéré comme le grand Empire protestant. Putain, 23 000. Oh là là, chez moi, le rebelle, ça... Oh non, il y a encore des rebelles à Lisbonne. Alors, ils sont venus s'ajouter aux anciens. J'ai 44 000 rebelles. Et je sais pas comment ça se fait, j'ai aucune province dans le coin, mais je contrôle le commerce de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, qu'est-ce que tu fous là-bas? Je vois pas de province à toi, en plus. C'est ton mercantilisme, ouais. Ah, les 13 colonies sont quand même vachement puissantes, maintenant. Là, t'es en train de te faire, mais flanquer par le zizi, quoi. Mais je sais... Il est en train de remonter dans ton dos, il va passer par là. Enfin. Ah, mais je vois pas. Ah oui, je commence à voir. Ah oui, ça y est. Oh mon dieu, mais ça va être. Ce qu'on est en train de faire Chouan, c'est simplement la. La Louisiane. La Louisiane, voilà. Parce que la vraie Louisiane remontait jusqu'au Grand Lac, hein. Ouais. Mais en fait, c'est plutôt historique ce qu'on fait. Ouais, mais absolument. Putain. Oh là là, les rebelles qui vont peut-être me battre, ça va se jouer à rien. Allez, jamais en morale. Et là, bizarrement, les gens se convertissent en 5 mois, tu sais, ils sont contents d'être protestants. D'ailleurs, Chouan, pourquoi tu te débarrasses pas de la Savoie depuis le temps? Parce que là, j'ai des problèmes financiers. Chouan, des problèmes financiers? Maintenant, ce colonial me coûte 74, tu vois. Waouh, mais combien de colonies tu poses en même temps? Une quinzaine. Parce que j'ai pris celle du portugais. D'ailleurs, je crois que j'en ai abandonné une parce que ça coûte vraiment trop cher. Bon, il est temps que j'aille voir le marocain maintenant. Oh là là, je suis un mongol, hein, quand même. On n'oserait pas te contredire, tu sais. T'as eu un casus belli colonial contre le Groenland. C'est bon. Désolé, pardon. Oui. T'as gagné une guerre coloniale. Ta gueule, ghost. Te moque pas. Mais le zizi monte si haut. Mon zizi monte haut. Mon zizi. Il se dresse haut et fier. Putain, c'est vrai que Barcelone gagne du pognon, putain. Oh là là. Vous êtes quand même vachement gros, les 13 colonies. J'ai bien dit, il se branle sur les 13 colonies, mais ça lui rapporte que 2 par mois, tu sais. Non, il me rapporte 10 maintenant. Bon, et comme je le disais, mon occidentalisation m'a permis plein de choses. Maintenant, je fais du 18-8. Je préviens, l'Autrichien est redevenu puissant. La Savoie est plus puissante que lui. Non, mais je parle en nombre d'hommes. Ça se voit pas, hein, pourtant. Hein. La Savoie est plus puissante. Cette game, je trouve que j'ai pas beaucoup bougé. Putain, t'as vu la taille du Commonwealth? Justement, il était déjà comme ça avant. Ça fait longtemps que t'aurais pu défoncer l'Autriche et compagnie, hein. T'as slacké, hein. Mais j'ai pas assez de points pour corer dans l'Empire. Si je peux pas corer, ça sert à rien d'avancer. N'empêche, ton empire fait quand même Pays-Bas de Grèce, hein. C'est un truc monstrueux, hein. Oh, attends, reviens là, la flotte marocaine, viens voir papa. Oh, quand les 50 galions sortent, ça envoie le steak, hein. Bon, vu que j'ai 5000 de thunes, je vais peut-être me payer 50 autres galions. Ah putain, tu parles de choses, moi je me paye des galères, c'est déjà la fin, quoi. Avec les provinces unies, là, c'est... Tout va bien.
Oh bah, ça peut aller, je pense, hein. Bah non, ce qui est agaçant, c'est que je claque tous mes points pour mater les révoltes. Ah mais je fais pareil. J'ai tellement de révoltes qui sont en cours. Ah, vous claquez vos points militaires, vous? Ah ouais. Ah mais toi tu fais ça? Ah moi je les laisse se révolter puis je leur casse la gueule. Ah non, toi tu peux te permettre quoi. Oh j'ai que 4-6 de morale. Oh c'est dégueulasse. Mais ça change la Bavière hein. C'est ça, avec la Bavière j'ai quelque chose comme 6-8 quoi. C'est... Oh toi tu vas venir dans mon escarcelle. Hein. Ça fait trop longtemps que t'es là. Des patriotes berbères. C'est vrai que t'es en train de bouffer le Maroc en fin de compte. Ouais. Oh bah ouais bah c'est quand même vachement riche quoi. Ça serait bête de passer à côté tu vois. Ça serait bête que ça se perde. Oh mais je vais perdre une bataille moi ici. J'ai été trop gourmand. Ah ouais, je vais la perdre cette bataille, fuck. Rends-toi. J'avais moins 3, je suis allé à 1 contre 1. Même si c'est le Marocain, bon, quand même quoi. Ça passe pas. Ça passe pas. Allez le Marocain, cette fois tu vas goûter à mes canons. Mais je t'avais pas vu toi, la province qui donne plus 3 d'impôts quand tu construis un petit hôtel de ville. Bon, la flotte polonaise va commencer pour être là pour contrebalancer les Espagnols. Bon courage hein. Honnêtement, on a fait le test des galères en Méditerranée. Tu te pointes avec tes 100 galions, je te défonce. Ouais, il va te falloir 200 galères quoi. Non, avec 50 galères, je te la mets. À ce point-là? À ce point-là. Oh, bah, pas grave, j'irai pas en Méditerranée. Puis je ferai 300 galères. Voilà, rien à foutre. Les galères en Méditerranée, c'est des monstres. Ouais, c'est bah, carrément. C'est quoi? C'est plus 20% de combat en mer intérieure, je crois. Ou un truc ah, ouais, mais sans doctrine navale, sans rien, avec une tradition de merde, tu déchires tout. C'est fat, hein. Bazaï, Bengal, Soulou. Mais t'as l'autre bout du monde déjà. Ah bah Chouan il est en train de... Non. Il est en train de guerroyer en Afrique, il est en train de casser du nègre à Sagué, tu vois. Ah, il adore ça. Ok, la Moscovie dans sa grande puissance a moins de 10 000 hommes. Il y a une province qui vient de me quitter pour retourner dans la Crimée quoi. Sans demander, sans la permission, sans rebelle, sans rien. Comme ça quoi. Comme ça, les mecs ils envoient une pétition, ils disent on se barre en Crimée. On est plus que deux à la Curie quoi. Moi et le pape. Oh putain, à ce point-là ah. Oh, Commonwealth. Je suis ton nouveau rival. J'ai pas le choix. T'es le seul trou disponible. Bah, ah non, mais le dis pas ça. Ça fais gaffe, mec, hein, parce que... Les mots sont bien choisis. J'ai la détente facile, hein. Purge contre Brunswick. Alors, Brunswick... Ah, est-ce que je vais vraiment me battre pour ça, tu vois? Est-ce que tu te bats, toi, Ghost? Oh bah oui, bien sûr. Mon fidèle allié, tu sais. Le mot est là, quoi. Cette petite crotte mérite d'être défendue. Et c'est là que je me sens con, c'est que mes armées sont dispersées aux quatre coins de l'Empire. Donc on est effectivement en guerre, Ghost, là. Ah oui, je vois le bloc qui est en guerre. Ah, vous êtes en guerre l'un contre l'autre? Oui, je suis allié à Brunswick, qui est une nation surpuissante en Europe. C'est la petite crotte, là. Allez, viens te battre, enculé de Marocain. Je t'attends. Oh, il se fait souiller alors qu'il est supérieur en nom. Mange, mange. Les mecs en profitent pour se révolter chez moi, à l'autre bout du pays. Ils ont bien raison. Cette bataille... Oh mon dieu, c'est là que le moral pique. T'as 6 de morale, quoi. Hey, t'as vu les pertes que tu m'as fait subir, là, aussi? Oh, cette guerre, oh là là. Et moi, je loupe ça, là. 6 de morale, ce truc de salope, quoi. Allez, casse-toi, là. Sale collègue, quoi. J'ai plus de tactique, mais moins de morale. Oh, c'est chiant, ça. Alors, Ghost, tu nous as vanté ton armée gigantesque, là. Oui, je vous ai vanté la grosseur de l'armée. Je vous avais dit qu'elle était compétente. Bon, je fais la guerre pourquoi moi déjà? Ah oui, purge de l'hérésie. Mais c'est quoi cette connerie? Je me suis pas engagé pour ça moi. Oh, je le souille à 1 contre 2, allez! Il a moins 2, mange! J'ai une espèce de coalition bougnoulo-nègre avec. Mon dieu, c'est magnifique! Il y a le Mali qui est là qui vient aider son pote marocain et il a pris une rouste monstrueuse. Tu crois que je t'ai pas vu partir là? Je fuis chez l'anglais s'il le faut. Le mec, il est chez l'anglais, il est dans le hall. L'anglais, c'est un casus belli, là. Refuse son accès militaire, là. Non. D'où c'est moi qui ai le malus de terrain, c'est lui qui vient d'arriver à Hambourg par la rivière. Non, c'est toi qui as traversé la rivière pour t'as le truc. Moi, j'envoie juste des renforts. Mais non, je suis arrivé de Lonneburg et d'Holstein, j'ai pas de rivière. Mais si, quand même. Tiens, mange. T'as de la chance, puis je passe te poursuivre, hein, parce que tu veux dire. Ce moral en carton. 4-3 de morale, c'est ignoble. C'est quoi ça? Nous combattons le passé. Continuons seuls, moins 20 de relations avec tous les voisins. Putain, c'est moi qui occupe la majorité des villes et j'ai que 3% de score de guerre. Putain, je pourrais jamais avoir Hambourg, ça me fait chier. T'as prévu de manger Hambourg? Bon. Bah oui. Je veux un bourg, tu vois. Chouan sera le bourgmestre. J'ai mangé un gros morceau du Maroc. Et comment dire, ils sont pas contents d'être dans mon empire. Je ne comprends pas pourquoi. Ils sont pas heureux? Non! Avant de raser leur mosquée, je vais leur faire croire que je vais tout respecter, que je vais accepter leurs coutumes.
Non mais attends, tu crois vraiment que le gouverneur espagnol du coin il va accepter de se faire réveiller à 5h du mat par le singe du coin qui gueule à la prière, tu sais? Va falloir changer leurs habitudes, hein. C'est pas la fête, hein. Oh, ah bah il va être riche, Cologne. Hmm? Tu vas devoir verser 10% de tes revenus à Cologne, j'ai vu. Oh, ah vous avez fait la paix tous les deux? Une grande défaite de Ghost? Ah mon dieu, bah si tu savais ce qu'il gagne par mois, le pauvre. Moi j'ai fait le port, hein. J'ai annexé une ville sans corps, mais j'ai pris la ville de Brême. Oh, la Savoie me réclame la Provence, mais va te faire enculer. Oh putain, mais toutes les révoltes que j'ai chez moi! Oh mais putain, et tous les rebelles au Maroc, mais quelle bande de singes! Je croule sous les rebelles, quoi. Oh, j'avoue que tu te prends des petites révoltes, là. Ah, mais grave. Ouais, je les laisse popper, en fait, hein, parce que ça me coûte trop cher en point militaire. J'ai levé 40 000 hommes juste pour ça. Attends, j'ai perdu la bataille d'Aragon, j'ai perdu la bataille ici! Putain! Chouan, envoie-moi des soldats! L'Espagne s'effondre sans l'aide des Bourguignons. Eh, le Brandebourg, il doit se calmer, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé en bourg? Ben oui, il essaye. Oh, tout d'un coup, l'économie va mieux, hein. Quand j'arrête de donner 20 pièces d'or au Brandebourg. J'avoue, Chouan, si t'avais quelques hommes pour moi, je te. Ils arrivent, il y a 60 000 hommes qui arrivent. Hein. Ah putain. Je te paierai. Il y a 90 000 hommes qui arrivent, carrément, pour sauver ton pays, là. Oh, mais ça se rebelle aussi au Portugal, mais quelle bande de singes, quoi. Par contre, pour le Maroc, tu te débrouilles. Ouais, ouais, c'est bon. Oh là là, mais en fait, je me fais piluler au Maroc. Attends, on va envoyer 20 000 hommes en plus. Gagner, allez, allez, non. T'es des bons jets de dés, allez. Voilà. C'est bon. Ah putain, je dois avouer, Grande-Bretagne, t'es revenu. Disons qu'il gagne pas des masses. Ouais, il est fauché, hein, dans l'anglais, hein. Ça vaut pas un copec, son merdier, là. Il a les 13 colonies, mais les 13 colonies lui rapportent rien vu qu'il contrôle pas le commerce. Bah oui, c'est ça, tant que tu contrôles pas la Manche. Ça sert à rien, tout simplement. C'est à moins que tu leur demandes d'envoyer par la mer du Nord. Et encore, la mer du Nord, Chouan est également là. C'est ça, mais Chouan il est partout, hein. C'est le mec, il a pas une province, mais il est là. On sent mon souffle chaud sur ton cou, tu vois. C'est ça, ah, yeah. T'as combien en mercantilisme? Bah, en fait, moi j'ai utilisé tous mes points que j'avais justement pour monter le mercantilisme. Ok, ouais, donc tu es comme un porc, là, le mec doit être à 600%, tu sais. 30%. Colossal. Colossal, fils de pute. Putain, je suis à 10%, quoi. Tu vois, au lieu d'utiliser mes points pour investir, pour essayer de devenir le pape que je suis jamais devenu, tu vois, augmenter la mercantilisme de 1 point à chaque fois, tu vois. Ah, les protestants, moins d'un an pour être convertis. Alors, t'as de fils de pute. Et les muses, pareil. C'est la moitié du pays qui est en train de sombrer. Tout ça à cause de l'Aragon. Ouais, mais c'est ça. Putain, le Brandebourg qui repart en guerre. Devine contre qui? Il faut que j'aille. Ouais, j'ai vu. Et devine qui va se manger moins 5 de stabilité s'il le suit. Oh putain, il est en guerre contre tout le monde. T'as pu rejoindre? T'as pas eu un malus de moins 5? Bah non. On était en trêve, donc normalement tu devais avoir un malus de moins 5. Oui, mais tu n'es pas le chef de guerre, tu vois. T'as fait quoi, là? Le Maroc est en train de... J'ai attaqué le Brandebourg pour lui faire comprendre que j'aime pas trop qu'il s'approche. Toi. Mais il est sérieux, le mec, il attaque le Brandebourg direct. Quoi. Ah, putain, mais il a pas... De toute façon, tes armées, je les ai souillées, donc tu me fais pas peur. Putain, mais tous les rebelles cachés le Marocain, il a vraiment pas aimé la dernière guerre. Putain, l'armée a été annihilée. À Munster, je viens de le voir, le mec, il avait une armée, et elle a disparu. Hey. C'était 4000 contre 30 000, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y avait une armée, tu me vois plus, tu vois. Tu veux pas refaire la paix, mon petit ghost? Oh putain, il y a 40 000 hommes là qui arrivent. Oh putain, casse-toi. Mais elle est là son armée au Brandebourg, je sais pas ce qu'il fout. Je suis en train de corer 6 provinces en même temps quand même, hein. Allez, on va tuer le petit reste là. Ah, je vois une armée du Brandebourg qui arrive avec son pote. Putain, général 3 étoiles. Pff, 60 000 hommes du Commonwealth. Ah, il y a 25 000 hommes du Brandebourg. Putain, il y a quand même presque 90 000 mecs là, Chouan, hein. Mais ouais, c'est écoute. Je prends le moral du Brandebourg, ce qui est plutôt sympa. Mais le Brandebourg attaque pas avec moi. Bon, j'ai pas eu de grosse bataille, moi, là, dans le nord de l'Allemagne, là. Ah, Owen, tu vas souffrir pour ça. Ah, Owen a rejoint la guerre, c'est ça? Non. Non, Owen laisse passer toutes les troupes ennemies sur son territoire et pas moi, tu vois. Alors, soit il me donne l'accès, soit tu vas le payer très cher. Putain, 60 000 Commonwealth, il y a les 90 000 hommes, là. Oh, Chouan! Ouais, ils arrivent tous, là. Ça, oh, pas, oh, 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 Ghost, tiens, mange. J'ai même pas vu. Oh, il vient de perdre 30 000 hommes d'un coup. Sale. Ils sont passés où? Ils sont tous disparus. Ils avaient pique-nique ce jour-là et... Oh oui, oh mon dieu, oh, là, la bataille, la bataille de Chouan, là. Oh, le Brandebourg qui se fait souiller. Oh, les renforts, Chouan, ça va être chaud. Oh là, cette bataille. Ah, Chouan, oh, mais... moi ça, il va perdre. Il fait ses GD, le Brandebourg. Le Brandebourg est GT monstrueux, regarde ça! Oh, je suis mort, va gagner! Non! Attends, les deux sont dans le rouge! Non, ça.
Oh, j'ai gagné, mais de tellement peu, là, j'ai perdu tellement d'hommes sur cette bataille. Ah là, ouais, c'est du Pyrrhus, là, hein. T'as vu le Brandebourg, il a deux générales 3 étoiles, quoi. Oh, il repart à l'attaque, là. J'espère que tes troupes sont tout au fin fond de la Lituanie, là. Ah, tu attaques, en fait. Ah bah non, il y a 10 000 hommes, ils se promenaient par là. Oh putain, mais tu prends ces branlés, Ghost. T'as le mec qui perd 31 hommes, tu sais, 31. Oh là là, la souillure que c'est là. Ah, voilà, j'ai souillé son groupe de 12 000 hommes. Mais le truc, c'est que 12 000 hommes prennent bourgeois, ça fait peur. J'ai mes armées qui se reforment à une de ces lenteurs.